Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez pour partager cette veillée du 23 mai avec la paroisse Saint-Joseph de Dijon. Bienvenue à tous les jeunes du MEJ et à leurs responsables qui nous ont aidés à préparer cette veillée. Prions ensemble pour faire du neuf dans nos vies au sortir de ce temps inédit de confinement. Fais du neuf aujourd'hui, c'est l'appel de la vie. Dans tes mains soufflées, un vent de liberté. Fais du neuf dans ta vie. Fais du neuf aujourd'hui, c'est l'appel de la vie. Dans tes mains soufflées, un vent de liberté. Fais du neuf dans ta vie. Tu voudrais aujourd'hui du nouveau dans tes yeux. Regarder le soleil allumer un grand feu. Laisse-toi approcher pour risquer l'amitié. Fais du neuf aujourd'hui, c'est l'appel de la vie. Dans tes mains souffler un vent de liberté. Fais du neuf dans ta vie. Tu voudrais aujourd'hui des couleurs pour la vie. Échanger l'horizon de nos jours noirs et gris. Viens lutter avec nous pour les droits et la vie. Fais du neuf aujourd'hui, c'est l'appel de la vie. Dans tes mains soufflées, un vent de liberté. Fais du neuf dans ta vie. Tu voudrais aujourd'hui un nouvel avenir et tracer les chemins d'une vie réussie. N'aie pas peur d'inventer, tu es fait pour créer. Aujourd'hui, c'est la peine de la vie. Dans tes mains soufflées, un vent de liberté. Fais du neuf dans ta vie. Tu voudrais aujourd'hui du nouveau sous tes pas. Pour aller au-devant des petits, des sans-voix. Et changer le destin de tous ceux qui n'ont rien. Aujourd'hui, c'est l'appel de la vie. Dans tes mains soufflées, un vent de liberté. Fais du neuf dans ta vie. Fais du neuf aujourd'hui, c'est l'appel de la vie. Dans tes mains soufflées, un vent de liberté. Fais du neuf dans ta vie. Durant les semaines de confinement, nous avons fait du neuf dans nos relations avec les autres. C'était à la fois un temps de séparation avec certains de nos proches, mais aussi de retrouvailles avec ceux qui, étudiants dans d'autres villes, sont venus vivre le confinement ici à Dijon. Nous avons mis du neuf dans nos vies, par les discussions quotidiennes avec les voisins par-dessus la haie, les jeux de société en famille, l'apprentissage d'outils de communication par Internet.
Et par-dessus tout, nous avons pris le temps, nous avons ouvert les yeux sur la beauté ordinaire de nos vies, sur l'importance du temps. Le printemps avance, que ces graines de nouveautés grandissent, poussent, s'épanouissent et deviennent, au fil du temps, des arbres solides, des habitudes de vie durables. Artisan d'un monde plus beau, depuis ton atelier, tu repeins et tu crées. Artisan d'un regard nouveau, de tes yeux, de tes mains, accomplis son dessein. Désarmé par la haine, les coups bas, tu prends toujours ta palette avec toi, pour nuancer offenses et tracas, et transformer en pardon et en joie. Artisan d'un monde plus beau, depuis ton atelier, tu repeins et tu crées. Artisan d'un regard nouveau, de tes yeux, de tes mains, accomplis son dessein. Désarmé par les copier-coller, toutes ces images que l'on veut se donner, tes couleurs brisent la monotonie, font resplendir la beauté de la vie. Artisan d'un monde plus beau, depuis ton atelier, tu repeins et tu crées. Artisan d'un regard nouveau, de tes yeux, de tes mains, accomplis son dessein. Désarmé par l'erreur et le doute, tu veux avancer tes pas dans ses pas, et tu dessines une nouvelle route. Tu ne crains pas, la foi te portera. Artisan d'un monde plus beau, depuis ton atelier, tu repeins et tu crées. Artisan d'un regard nouveau, de tes yeux, de tes mains, accomplis son dessein. Par les pensées trop noires, de ton pinceau tu apportes l'espoir. Trait de lumière qui écarte les ombres, pour éclairer les moments les plus sombres. Artisan d'un monde plus beau, depuis ton atelier, tu repeins et tu crées. Artisan d'un regard nouveau, de tes yeux, de tes mains, accomplis son dessein. Seigneur, nous te confions les prières qui nous ont été transmises pour cette veillée du 23 mai. Seigneur, je te loue pour les retrouvailles avec mes amis. Ça fait tellement de bien de pouvoir enfin se voir, se parler sans écran entre nous. Seigneur, apprends-nous à profiter de l'instant, à ne pas remettre au lendemain ce qui peut être vécu ce jour. Seigneur, je te loue pour tous les enseignements qui nous accompagnent encore et toujours à distance. Je serais encore plus heureux de les retrouver en vrai, d'aller en cours. Étudier seul dans une chambre, ce n'est pas vraiment pareil. Seigneur, nous te confions tous les jeunes qui, l'an prochain, vont s'engager dans des études supérieures, dans la vie professionnelle. Que cette vie nouvelle soit source de joie pour eux et pour le monde d'aujourd'hui.
échappe sur d'autres rivages. Malgré la tempête, le calme blanc, je mets ma confiance en toi. En ce 5e anniversaire de Laudato Si, prions pour nous tous qui parfois tombons dans le gaspillage au lieu d'apprécier les biens de cette terre que tu nous offres. Seigneur, soutiens nos bonnes résolutions. Prions pour notre communauté que tu invites à nourrir toutes les personnes qui sont dans le besoin afin qu'elles ne soient plus inquiètes de ce qu'elles vont manger demain. Comme tu l'as promis, Seigneur, soutiens nos bonnes résolutions. Prions pour que les baptisés collaborent à conserver les habitats de toutes les espèces, afin que tu puisses continuer de nourrir tes créatures bien-aimées. Seigneur, nous te prions avec saint François. Fermons nos oreilles à toute calomnie, gardons notre langue de toute malveillance, et que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. Fais que nous soyons si bienveillants et si joyeux que tous ceux qui nous approchent sentent ta puissance et ta présence. Revêt-nous de ta beauté, Seigneur, de ta douceur et de ton humilité. Avec notre pape François, nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes à tous, spécialement aux pasteurs de l'Église, la grâce de la prière, la grâce de la proximité et la grâce de la miséricorde. Prions pour nos frères et sœurs dans l'épreuve. Seigneur, nous te prions pour les malades du Covid-19, pour tous les malades et pour les personnes handicapées, avec une pensée particulière pour leur famille. Nous te confions Vincent, qui est toujours en grande souffrance. Un nouveau traitement est mis en place. Il lit la Bible chaque jour. Nous te confions aussi ses parents, Elisabeth et Philippe. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants et les jeunes, victimes des guerres et d'abus de pouvoir de la part des adultes. Seigneur, mets sur leur chemin des adultes bienveillants pour les soutenir et les guider afin qu'ils gardent espoir. Seigneur, nous te prions aussi pour les enfants qui sont orphelins et pour tous les enfants en souffrance. Vierge Marie, en bonne mère, aide-nous à leur permettre de grandir et à les consoler. Seigneur, nous te prions pour que chacun de nous garde de la prudence et fasse preuve de patience afin que la pandémie ne revienne pas. Seigneur, nous te prions enfin, avec le pape François, pour les nombreuses personnes qui nettoient les hôpitaux, les rues, qui vident les poubelles, qui font le tour des maisons pour enlever les ordures. Un travail que personne ne voit, mais qui est nécessaire pour survivre. Que le Seigneur les bénisse et les aide. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui donnent de leur temps pour l'amélioration de la vie des plus faibles.
Merci Seigneur pour cette réouverture à la vie, à l'image de la vie que tu nous promets. Merci Seigneur de veiller sur ton peuple. J'ai marché le long du canal de Bourgogne en remerciant Dieu qui avait pris soin de la nature quand nous étions dans nos appartements. L'herbe poussait drue et bien verte. Les reflets du soleil sur l'eau miroitaient. Les feuilles neuves et brillantes paraient tous les arbres. Les iris jaunes avaient éclos sur les bords de l'Ouche. Je respirais à plein poumon l'air frais, rendant grâce à Dieu pour la beauté de sa création et pour m'avoir gardé en bonne santé. Seigneur, nous te rendons grâce de tout cœur pour la beauté que tu nous offres, pour enrichir notre prière et alimenter la communion entre frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Du livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au chapitre 21. Moi, Jean, témoin du Seigneur et serviteur de votre espérance, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés.
et la ville sainte, la Jérusalem de l'Alliance, je l'ai vue descendre d'auprès de Dieu comme une jeune femme parée pour ses noces. Et j'entendis une voix forte, elle disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Emmanuel, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Alors celui qui siégeait sur le trône déclara « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit « Voilà, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. À celui qui a soif, je donnerai l'eau de la source de vie, gratuitement. Et pour chacun de ceux qui auront tenu bon, je serai leur Dieu, et eux seront mes enfants. » Notre prochaine et dernière veillée du temps pascal aura lieu samedi prochain 30 mai. Nous louerons Dieu pour toutes les grâces reçues en ce temps pascal de renouveau, en méditant cette forte parole de Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pensez à nous adresser avant lundi prochain vos intentions de prière et de louange pour nourrir cette dernière veillée. Envoyez-nous une photo de votre petit autel domestique ou un des symboles qui vous ont accompagné pendant toute cette période de confinement inédite. Merci de relayer les intentions de prière et de louange de vos proches et voisins qui n'ont pas Internet. À la semaine prochaine. N'aie pas peur d'y prendre ta place pour te sentir.
n'attends pas.